Salut à tous, c'est Rivodrix et bienvenue dans ce premier épisode de Dark Souls 3 Arsenal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande hache de tueur de dragon. Pour l'obtenir, il vous suffira de tuer le boss Armure de tueur de dragon. C'est un boss que vous rencontrerez obligatoirement dans le jeu. Une fois vaincu, vous récupérerez son âme et une fois en votre possession, allez l'échanger à Ludlett contre cette hache. La grande hache de tueur de dragon est une arme orientée force, car il vous faudra 40 en force pour pouvoir la manier. Mais cette arme possède des effets de foudre, donc si vous avez de la foi, eh bien vous aurez un bon bonus de foudre, et ça peut être bien pour optimiser vos dégâts. Pour une arme de force, son moveset n'est pas si lent que ça, je trouve, par rapport à d'autres armes lourdes du jeu. Par contre, avec cette arme, nous ne faisons que des attaques verticales et aucune attaque horizontale. Donc cette arme est très simple à esquiver, et pour affronter un groupe de monstres, eh bien vous pourriez avoir des difficultés. Mais cette arme est très puissante, elles écraseront vos adversaires tellement que les ennemis auront tendance à perdre leur équilibre assez facilement face à cette hache. Ce qui est bien pour enchaîner une autre attaque derrière. Et la vitesse se complète très bien avec la puissance de l'arme. Petit détail, mais essayez quand même d'avoir de l'endurance pour être plus à l'aise avec cette arme. Son weapon art est sans surprise une attaque de foudre dévastatrice avec une bonne portée. Il faut l'avouer, c'est peut-être ce coup qui peut vous libérer d'un groupe d'ennemis. Mais cette attaque est très longue à placer. Mais si vous avez en même temps un bon équilibre, ça peut être une bonne idée d'utiliser. Pour l'améliorer, eh bien, il vous faudra des écailles titanites que je vous rappelle vous trouverez un peu partout dans le jeu, mais aussi en tuant des lézards de cristal géants. Vous pouvez améliorer cette arme seulement jusqu'à plus 5 car c'est une arme de boss. Les dégâts de cette arme sont vraiment très impressionnants. Je tape à du 700 de dégâts amélioré en plus 5. Franchement, si vous voulez faire du dégât, cette arme est un bon choix. En PvE, cette arme est très efficace, surtout contre les dragons et les ennemis en armure, car ce genre d'ennemis craignent la foudre, et si vous combattez dans un lieu humide, vos dégâts seront un peu plus élevés. Mais faites tout de même attention aux ennemis petits et rapides qui pourraient esquiver sur vos côtés pour vous taper, car avec cette arme, vos côtés ne sont pas protégés. C'est pour cela que je vous conseille de prévoir l'arrivée de l'ennemi pour enchaîner ensuite, car comme je l'ai dit tout à l'heure, cette arme enchaîne vraiment très bien avec le déséquilibre que procure cette arme. En PvP, c'est à peu près la même chose, à condition de faire attention à quelques détails. Déjà, à ceux qui voudraient vous parer. Pour ce type de joueur, avancez vers l'ennemi en lui mettant la pression pour l'obliger à parer avant que vous frappez. Soyez imprévisible. Ensuite, si jamais vous ratez votre coup, n'hésitez pas à faire une attaque sautée juste après sur l'ennemi pour le surprendre. Avec cette arme, votre défense, c'est l'attaque. N'hésitez pas, si votre adversaire possède une armure légère, eh bien n'hésitez surtout pas à l'enchaîner avec, car son équilibre le trompera malgré son agilité. Voilà tout pour le PVP. Pour conclure, c'est une arme qui expose grandement au risque, car vous avez qu'une seule direction d'attaque. Et si vous tombez sur un groupe, vous pouvez rencontrer des difficultés. Mais cette hache est un vrai piège, du moment que vous avez touché votre adversaire, il aura du mal à s'en sortir. Cette arme est un tout ou rien. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de Dark Souls 3 Arsenal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme, car dans ces vidéos, je dis mon avis, et en aucun cas je dis que j'ai raison ou autre. J'expose seulement mon ressenti quand je joue avec les armes traitées dans cette série. Après, libre à vous de penser comme vous voulez. Bon, c'est le premier épisode et il y a sûrement quelques détails à changer. Si jamais vous avez quelque chose à proposer pour améliorer cette émission, ou si vous n'aimez pas un détail dans cette série, dites-le moi, améliorons cette émission ensemble. Mais j'aimerais d'abord préciser quelques points. Certes, je vais parler des armes de Dark Souls 3, mais il est possible que sur certaines armes, je ne pourrais pas, vous dire exactement les dégâts qu'elle pourrait faire si on maximise réellement les statistiques. Car je vais pas vous mentir, je n'ai pas le temps de faire 40 parties différentes pour avoir les statistiques vraiment à fond pour chaque arme du jeu. Ça va me prendre beaucoup trop de temps, donc je vais essayer à chaque fois de faire de mon mieux pour vous proposer une opinion le plus clair possible pour vraiment vous aider pour vos choix d'armes en fait. C'est ça le but de cette émission, c'est pour aider au choix d'armes, pour que vous voyez vraiment qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Donc à des moments, il est possible que l'arme, je ne pourrais pas la booster à fond parce que mes statistiques me l'empêcheraient. Mais il est possible que je fasse une partie haute. Là, je suis en train de faire une partie force dex, donc je pourrais proposer par exemple des épées courtes qui sont intéressantes car il y en a. Mais il y aura aussi d'autres types, enfin dans cette émission, il y aura d'autres types d'épisodes comme des trucs plus généraux comme comment rouler ou autre. Enfin bref, si vous avez le moindre problème ou la moindre question, n'hésitez pas. Cela dit, portez-vous bien. Ciao !